Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense est en mission à Bouaké. Il est question d'informer officiellement les autorités administratives, politiques, militaires, ainsi que la chefferie traditionnelle et les différentes couches socio-professionnelles de la visite d'État du président Alassane Ouattara à Bouaké à partir du 25 novembre 2013. Selon l'émissaire du gouvernement, Bouaké sera pendant 3 jours la base du séjour du chef de l'État, d'où la nécessité de mettre en place une coordination régionale et des coordinations départementales pour servir d'interface entre l'équipe gouvernementale et les populations. Au cours des échanges, le phénomène des coupeurs de route, une préoccupation des populations, est revenu de façon récurrente. Mais le ministre rassure. Nous avons un programme spécial avec les forces de sécurité. Ce programme va être lancé bientôt, mais nous n'allons pas annoncer la date de lancement de ce programme. Je suis venu aussi dans le cadre de cette mission-là. Avant de prendre congé de l'assistance, Paul Kofi Kofi s'est dit satisfait de la mobilisation. Il a invité toutes les couches sociales à une grande implication pour la réussite de cette visite présidentielle. Être présent, c'est ça que le chef de l'État va constater. Hein, tout le soutien qu'on a pour lui, il faut que nous soyons mobilisés et que nous faisons le maximum pour être le jour J prêt, hein, qu'il ne nous trouve pas en train d'attendre encore et que nous soyons véritablement prêts. Les populations sont impatientes et prêtes à réserver un accueil des plus chaleureux au premier des Ivoiriens. Nous attendons que ça soit prêt et surtout qu'on avait soif de voir le président de la République depuis la crise et actuellement où nous tendons vers la paix définitive. Nous avons besoin vraiment de voir le président de la République. Que la population sorte nombreuse pour que le président de la République sache effectivement que nous sommes contents de le voir, que nous avons besoin de lui. L'accueil se fera à partir de l'Arc de Triomphe à Kolankankro et le meeting au Stade de la Paix, a indiqué le ministre Paul Kofi Kofi.